Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui un Doogie low cost, le Doogie N10. Alors la boîte, elle a fait la guerre, hein. Franchement, elle a traversé le monde pour venir, elle tire un peu la gueule. Donc on a quoi? On a un double appareil photo 16 et 13, on a un écran avec la coche 19 9e, on a un capteur d'empreinte arrière, on a un appareil photo 16 mégapixels à l'avant. On a un backover Guardian parce que c'est 3 Go 32, donc c'est du low cost. C'est un téléphone qui coûte à peu près 90 euros peut-être. J'ai pas regardé actuellement combien on peut le trouver. Donc, mais le low cost commence à être de plus en plus intéressant. Donc, on va enlever le film à l'arrière. Oh, il est joli. Donc, une brillant, noir brillant à l'arrière. Peut-être pas facile à filmer, mais franchement, noir brillant, il est ultra léger. Je me demande s'il y a la batterie à l'intérieur. Franchement, il est super léger. C'est un tiroir SIM. Attendez, on va essayer d'enlever ça. On va essayer. Bon, si tu aimes nos vidéos, tu veux toujours en voir plus, tu peux t'abonner, tu peux mettre la petite cloche, tu peux mettre un petit pouce bleu pour nous encourager. Et si tu t'abonnes, tu rateras rien des futures vidéos. En ce moment, c'est une par jour depuis 2 mois. Non, sérieux, j'ai l'impression que le téléphone, il n'y a pas de batterie à l'intérieur. C'est chaud. Et on dirait vraiment qu'il n'y a pas de batterie. Il est tellement léger. Oula, vibration haut de gamme. Donc, tu peux aussi... Alors, si je fais ça, on voit rien. Alors là, on voit plus le téléphone. Tu peux aussi aller sur Tipeee pour nous encourager. Eh, un petit don pour nous encourager si tu veux, t'es pas obligé, mais bon, ça fait toujours plaisir, et plus vous êtes, plus on peut investir dans des produits après qu'on vous revendra par la suite, parce que quand t'es tipeur, t'as accès à tous ces produits là, comme ce téléphone là à prix préférentiel. Donc on aura un câble de rechargement, on aura une boîte qui est cassée, on aura un chargeur 5 volts 1 ampère, donc pas de charge rapide, on aura le tiroir SIM, je vais l'ouvrir pour vous montrer directement ce qu'il y a dedans, de la lecture avec du français, ça oui, on aura une coque de protection en silicone souple. Voilà. Et on aura le téléphone. Alors, c'est pas une petite goutte d'eau l'encoche. C'est une encoche assez... pas grosse, mais bon. Et avec des bords super optimisés, super... Bon, c'est du low cost. On va pas non plus demander extraordinaire. Alors, on fait un tour du téléphone. Donc, on a un port de rechargement. Le haut-parleur, normalement, il est côté droit, comme à chaque fois. Le tiroir SIM. On va l'ouvrir, tiens. On va rajouter ça. Tac. On aura une nano SIM ou une deuxième nano SIM ou une nano SIM, une carte SD, une encoche avec des bords assez épais, mais comme je le dis, je le répète, c'est du low cost. Le port jack au-dessus et l'appareil photo qui ressort pas du tout. Non, après, bon, c'est par contre, c'est un truc de fou. Il est, mais super léger. J'ai l'impression de rien avoir dans les mains. Attendez, on va essayer de le peser. Alors, ça va bouger un peu. Waouh! Ça, c'est la magie des effets spéciaux. Je sors l'attirail. On va le peser là. C'est pas possible. Il est super léger ce téléphone. 149 grammes. Ouais. Voilà, c'est pas très lourd. Hein. Alors, il n'y a peut-être rien dedans. Ignorer. Connecter au Wi-Fi. Ignorer. Tac. Déjà, ça a l'air pas assez réactif. Il y a un film sur l'écran? Non, il n'y a pas de film sur l'écran, non. Déverrouillage avec empreinte? Oui, pourquoi pas. Déverrouillage plus schéma. Démarrage sécurisé? Non. Hop. Posez le doigt. Bon, généralement, le Doogie, c'est des téléphones qui sont assez qualitatifs. Hein. C'est pas non plus des trucs extraordinaires, surtout c'est un low cost. Mais... ils sont pas dégueulasses normalement, Edoui. Non, merci. Bon, faudra pas attendre des trucs extraordinaires. Hein. Mais non plus pour le prix, on va pas s'en plaindre. Ah, on a le fond d'écran des Xiaomi. J'aime bien ce petit logo de Doogie là. Ça fait un petit style plutôt sympa. Niveau activité, pour l'instant, ça me plaît. C'est réactif. Android stock, ça c'est bien. Merci de ne plus mettre toutes ces ROM dégueulasses que vous mettez dedans avant.
On est sur un système N10 en 8.1.0, pas Android 9. 3 Go de RAM. Bon, ça, on le verra après. Tout le français, c'est bien tout en français. Ça a l'air ultra fluide. L'écran, il est joli. L'écran est joli. Lancer la capture, enregistrer le lieu. On va rester en 4 tiers. Donc là, les menus, ils sont où? Ah, c'est bon, c'est con ça. Ah, voilà. Alors, oh, photo de nuit. Bon, je m'attends pas à des miracles. Scène, panorama, QR code, exposition, auto. Manuel. Ouais, et sinon, c'est où qu'on change? Ah, voilà. Nanana, 4 tiers, 16 mégapixels. Qualité de l'image super fin. Non, ça va, il n'y a pas mal. Ah, AI détection. Intelligence artificielle, face à détecter sourire obscurateur. Non, il n'y a pas d'intelligence artificielle, c'est juste le minimum. Et en vidéo, tac. Déjà, ça a l'air super fluide. Ça a l'air pas mal. Super fluide déjà. On prend une petite photo. Ouh là, le son de l'obscurateur, on va l'enlever de suite. Oh! Regardez. Non, ça, on s'en fout. Je sais pas si vous voyez bien. On va essayer d'éviter les reflets. Regardez. C'est propre. C'est plutôt propre. Ça annonce pas mal, ce petit Dougie N10. C'est un petit téléphone low cost qui n'est pas trop cher. Je vous mets un petit lien d'achat en dessous de la vidéo, comme d'habitude. Je vous mettrai plusieurs liens parce que je n'ai pas de préférence pour celui-là. Il n'est pas envoyé par quelqu'un. Ça, c'était avec nos sous qu'on a acheté. Enfin, avec les sous Tipeee. Enfin, voilà. Ça, c'est une longue histoire. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et puis on se rejoint pour une prochaine vidéo, tout simplement. Ciao, ciao.